de l'église orthodoxe russe, Donc, comme le pape de l'église orthodoxe russe, a pris la parole, rocha, africa. dear friends, welcome to this platform. i salute all of you who are watching videos all over the world, our friends in the diaspora. i see, i hail you for your strong support. i salute our friends in the united states, in canada. i support our friends in the antarctic regions, in great britain. I salute our friends in Germany, uh, Guten Morgen, Guten Tag, Sadepan. Uh, my name is I salute our friends in Italy, Bonjour, no, in Belgium. Uh, I salute our friends in France, our friends in uh, all over Europe, in Russia. I salute our friends in China, salute our friends all over the world, in Guyan, uh, Caledonia, New Caledonia, our friends in Mayotte. Uh, african friends who are in the continent, our continent so we should think global. Euh, chers amis, nous avons nos valeurs. et je dis, je répète encore, que nous devons tout faire pour promouvoir ces valeurs là. la promotion de nos valeurs doit être quelque chose de très important pour nous. on a tellement laissé les autres nous imposer des choses et détruit notre tissu familial. des gens nous ont imposé des choses qu'ils ont créées de toutes pièces. Qui sortent de, de, de science-fiction, juste parce qu'ils veulent réduire la population mondiale. Et pas ça, c'est qu'ils veulent réduire la population du Grand Sud. Ils constatent que le Grand Sud continue d'accoucher beaucoup, mais seulement ils ne comprennent pas une chose, chers amis. Le lit des pauvres est fertile. Parce que la distraction, c'est quoi Oui. Seulement, ils n'ont pas compris ça. Ils se sont dit qu'on va les appauvrir, ils vont pas accoucher beaucoup d'enfants et on va contrôler le monde. Ils comprennent pas que eux qui se disent riches n'accouchent pas beaucoup pour des raisons qui sont évidentes. Et les autres ne pensent pas comme eux. Les autres pensent avoir beaucoup de bouche, beaucoup de mains pour travailler, pour aller au champ et autres. C'est pour ces raisons que nous sommes peuplés. Mais nous devons rester dans cette valeur-là. La valeur de la polygamie, pas imposée à tout le monde. Ceux qui veulent être monogames, c'est leur choix. La valeur de la polygamie, il faut insister là-dessus et faire la promotion de cela. Il y a des valeurs africaines. Les églises, oui, ça peut prospérer, mais aussi... Demander de réglementer ce secteur. C'est très important parce que ça abrutit beaucoup de personnes. Et le patriarche Kirill de l'Église orthodoxe russe a pris la parole dans le sommet et il essaye de parler, d'expliquer ce que l'Occident est en train de faire, ce que l'Occident veut faire, tous les plans machiavéliques de l'Occident vis-à-vis du peuple du monde, surtout ceux qui ne voient pas les choses comme eux, qui n'acceptent pas les hégémonies néfastes. Chers amis, la première partie de cet extrait, parce que j'ai pris les extraits, cet extrait c'est deux. Je vais vous proposer euh, cette premier extrait du patriage Kirill qui parle des valeurs. Écoutez. Le secret de cette amitié est assez simple. La Russie n'a jamais regardé le continent africain comme un espace dont elle pourrait profiter ou qu'elle pourrait coloniser. Elle ne s'est jamais adressée au peuple africain avec condescendance n'a pas employé avec eux le langage de la supériorité ou celui de la force. Durant les périodes d'historique difficiles, nous nous sommes toujours efforcés de faire preuve de la solidarité et d'assistance mutuelle. en moment difficile et crucial de la lutte pour l'indépendance et la détermination des pays d'Afrique, la Russie s'est efforcée de soutenir activement le peuple, œuvrant ensuite avec eux à l'établissement d'une vie paisible, au développement de projets et d'infrastructures. De façon remarquable, cette coopération se poursuit aujourd'hui. Il dit ce qu'il dit là. L'autre partie va seulement parler de valeur. J'ai confondu les vidéos. Mais ce qu'il dit là est vrai, les amis. La Russie n'a jamais colonisé un pays africain. La Russie n'a jamais parlé avec condescendants aux pays africains. Regardez, quand on organise les sommets France-Afrique, la Russie n'appelle personne pour assister à ces sommets. Quand on organise des sommets... Pour le, la, le, le, nouvel ordre, ce qu'ils disent, nouvel ordre financier dans le monde, la Russie n'appelle personne pour, 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 demander de ne pas partir. Quand il y a le sommet, euh, euh, US et Africa, la Russie n'appelle personne de ne pas partir. C'est comme ça que nous voulons. Nous ne voulons pas des gens qui nous nuisent, qui nous nuisent. Nous ne voulons pas des gens qui nous imposent leurs valeurs. Nous ne voulons pas les gens qui nous imposent des desiderata. Nous ne voulons pas les gens, nous ne voulons plus des gens qui nous imposent leur façon de voir le monde. Nous ne voulons plus les gens qui nous donnent des leçons. Ce qui dit est clair, la Russie n'a jamais colonisé. Les États-Unis, la France, la, le Royaume-Uni, tous ces pays-là ont colonisé l'Afrique. Et ce sont ces gens-là qui nous donnent les leçons. Ce sont ces gens-là qui devraient avoir honte quand même. Qui devraient avoir honte, qui ont pillé le continent, qui continuent avec le, 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 ce qu'on appelle néocolonisation, de piller le continent africain, de malmener les citoyens africains. Oui! Si quelqu'un nous respecte, qu'on travaille avec cette personne. Ça peut être les États-Unis, ça peut être le Japon, ça peut être la Chine, ça peut être la Russie, ça peut être l'Europe. Mais si on constate que les gens nous regardent avec, nous parlent avec condescendants, nous devons écarter ces gens-là. Nous devons les écarter parce que nous, notre pays, Afrique, nous appartient. Et c'est à nous de décider avec qui nous voulons travailler et qui nous voulons pas travailler. Et c'est à nous de décider qui sont nos ennemis, qui sont nos amis. C'est pas aux gens de nous dire que nous. Nous ne sommes pas amis avec les Russes, vous aussi vous devrez détester les Russes. Nous ne sommes pas amis avec les Chinois, vous aussi vous devez détester les Chinois. Alors que l'histoire est têtue, l'histoire du monde entier démontre que ce sont ces gens qui donnent des leçons aujourd'hui qui ont esclavagisé le peuple africain. Ce sont ces gens qui donnent des leçons aujourd'hui, qui ont pillé le continent africain. Ce sont ces gens-là qui donnent des leçons aujourd'hui, qui ont colonisé l'Afrique. Ce sont ces gens-là qui nous donnent des leçons aujourd'hui, qui ont utilisé nos enfants pour faire la guerre. Et qu'après quand on a gagné les guerres, on a demandé les indépendances, ils nous ont proposé plutôt la guerre. C'est ça l'histoire de l'Afrique, du continent africain. La jeunesse africaine ne devrait pas aucunement oublier cela. Ceux qui nous ont détestés hier ne peuvent pas subitement devenir les anges, subitement devenir les donneurs de leçons qu'on va avoir applaudi. Les Ouattara peuvent applaudir, les, les, les Doumbéa peuvent applaudir, les Bazoum peuvent applaudir. It is a cup of tea. But they are going to leave power in Africa very soon. Those corrupt leaders, those leaders who are uh, uh, remote control from the West will leave power and they will enter into the dustbin of history. Le Patriarche Kiri dit ça et je suis d'accord. Je, je sais que la majorité des personnes qui nous suivent sont d'accord. Parce que c'est la vérité. Oui, c'est comme la grossesse. Tu dis, je ne suis pas enceinte. Mais après quelques mois, on voit le ventre qui ballonne. C'est comme ça, la vérité. Et c'est la vérité qui fâche des autres. Ça les énerve. Ils ne veulent pas que le peuple africain connaisse la vérité. Parce que seule la vérité peut nous sauver. Les amis, la deuxième partie que je voulais vous montrer, et quoi? Cette fois-ci, c'est la bonne. Il parle de valeurs. Pour nous, ces principes sont si importants que nous sommes prêts à les protéger et à les défendre. Et il arrive parfois de devoir les défendre dans des conditions très difficiles. Ces dernières décennies, le monde a changé au point d'être méconnaissable. Je ne parle pas tant de la carte politique, des processus économiques et du progrès technique que du climat spirituel et moral dangereux que de nombreux pays occidentaux s'efforcent activement de mettre en place. Le relativisme moral, le culte de la consommation, la liberté confondue par erreur avec la persim... permissivité, la destruction de la famille traditionnelle en tant qu'institution, tout cela n'est qu'une brève liste des malheurs qu'apporte avec lui le système de valeurs imposé par l'Occident ou plus exactement le système d'anti-valeurs, car leur adoption mène inévitablement l'humanité à sa perte et à une profonde dégradation culturelle et spirituelle. Qu'est-ce qu'il a dit Le patriarche kiril. C'est qu ce qu'il a dit, même en Occident, est-ce que quelqu'un peut être euh, contre ça Est-ce que quelqu'un peut dire le contraire Quand on demande aux gens de détruire la famille, quand on demande aux gens d'épouser de, de des valeurs qui n'ont rien à voir avec l'humanité et l'humanisme, quand on impose des valeurs, quand les gens décident d'imposer leurs valeurs sur les autres, De, de coût des milliards, des armes. Ça s'appelle comment et c'est ce qui décrit aujourd'hui. Et c'est vexant, mais nous devons avancer. Arrêtons d'être les plénichards. Nous devons avancer en déconstruisant tout cela, en réinformant les gens, en disant la vérité vraie à nos, à nos, à nos jeunes, en, en disant la vérité vraie aux gens qui sont encore ignorants. Parce que l'ignorance, c'est quelque chose qui nous pousse à embrasser des choses qui vient de l'inconnu et cet inconnu là peut nous détruire. Thank you friends. Thank you for watching. Please subscribe, comment, like the videos because the message should go through. Bye bye for now.